Hey, salut, j'espère que tout va bien. Je me présente si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne. Je m'appelle Caroline et je suis très très enchantée que tu aies appuyé sur la vidéo et qu'on puisse passer ce moment ensemble. Si c'est pas la première fois que tu viens sur la vidéo et que tu es déjà un abonné, je te fais plein de petits coucou. Souvent, et la Bible le dit du coup, le fait de comprendre aussi, on peut comparer la vie chrétienne à une course. Il y a différentes courses, on est d'accord, des courses en équipe, mais des courses individuelles. Et il y en existe deux grandes dont souvent on parle, c'est quand même le marathon et le sprint. Moi je compare la vie chrétienne souvent à ces deux courses là. Des fois tu cours des sprints parce que tu es déjà prête à avoir la bénédiction, donc Dieu va te le donner, c'est le moment. Donc vas-y, t'as le sprint, t'as l'envie, c'est le moment, tu as ton truc. Mais des fois t'as l'envie, mais c'est pas le moment. Mais Dieu en fait, il peut pas te donner quelque chose alors qu'il sait que si tu as cette chose, tu vas mal la gérer parce que frère, t'es pas prêt. Donc il va te faire courir le marathon. Et dans ce marathon, tu vas devoir apprendre, te construire. Et à la fin de ce marathon, tu auras ta bénédiction et tu seras content d'avoir passé sur un marathon parce que, en fait, tu auras les épaules pour porter la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu vois. Et c'est nécessaire. Il ne faut pas toujours vouloir un sprint. On ne doit pas douter. On court notre propre course. On ne doit pas regarder à droite qu'est-ce que l'autre court, qu'est-ce que l'autre court pas. Pourquoi l'autre a ça déjà et moi non. On n'est pas en compétition. Je ne suis pas en compétition avec ma soeur. Je ne suis pas en compétition avec ma cousine. Je ne suis pas en compétition avec cet étranger. Tu vois, Dieu nous aime en concurrence avec absolument personne. Chacun sa saison, chacun sa course. L'important, c'est d'y arriver au bout. Au bout de la course, pour remporter le prix. Je m'arrête là, je te souhaite une bonne journée. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter si tu veux. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Bye bye!